temps à présent de revenir. Je vais compter jusqu'à 5. À chaque chiffre que vous entendrez, vous vous réveillerez un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez calmement. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous asseoir. Détendez vos épaules et prenez une grande inspiration. Franck, je sais que c'est éprouvant pour vous de revivre tous ces événements traumatisants, mais on va y aller progressivement et un peu plus loin à chaque séance. C'est difficile, je sais, mais c'est nécessaire. C'est vraiment indispensable? Ça fait partie de votre chemin de reconstruction, oui. Je ne sais pas si je m'en sens capable. Vous avez déjà bien avancé. Vous pouvez être fière de vous. Et rassurez-vous, je suis là pour vous aider à y arriver. D'accord? D'accord. C'est pas poli. Alors, comment vous vous sentez? Vidé, je crois. C'est normal. Mais nous progressons bien. En fait, je voulais vous remercier pour ce que vous faites, de m'aider. Et je voulais vous demander ce que... Oui? Allez-y, dites ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur de parler ici. Est-ce qu'on pourrait se voir plus? Plus de séances par semaine, vous voulez dire? Oui, non, enfin... Se voir ailleurs, dans un autre cadre, plus intime, plus entre nous. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Vous savez, dans l'idée de neutralité de la thérapie, il y a des limites. Oui, mais c'est moi, j'ai compris. Pardon, vous avez raison, c'est moi, c'est pas possible. C'est pas grave. C'est une réaction normale. Ça arrive. Excusez-moi, je me sens pas très bien, je crois. Je vais y aller, ce sera mieux. Je vous donne... D'accord. Pardon. On se voit la semaine prochaine. Thank you.
Bonjour, Franck. C'est bien que vous soyez venu. Bonjour. Tiens. Dès comme je vous sens impatient, je pense qu'on peut commencer tout de suite. Oui, oui, allons-y. Alors, profitons de cette belle énergie. Vous pouvez à présent ressentir l'odeur de cette cave, l'odeur du bois, de la moisissure, de la poussière, du sang séché. Vous pénétrez dans cet antre aux parois humidifiées par les larmes, échauffées par le sang qui a coulé. Au centre de cet autel de souffrance, vous vous érigez, droit et fier, comme un pilier pouvant lier le désir et le plaisir. L'odeur du bois, de la poussière, de la moisissure, du sang séché. Nous allons à présent revenir ici, dans ce cabinet. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je serai à 3, vous serez ici, avec moi. 1, 2, 3. Vous faites quoi, là ? Vous faites quoi ? Pourquoi on s'arrête en plein milieu ? Pourquoi vous faites ces séances exactement ? De quoi est-ce que vous parlez ? Franck. Franck. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? Vous savez, Sarah, du plaisir naît l'ennui par un trop long usage. Savoir le varier, c'est là le secret du sage. Sigh.
Faites votre truc, là. Que je me rendorme, que je revive tout ça, allez. Franck, je comprends rien. Franck. Pourquoi je suis là? Franck! Libérez-moi! Libérez-moi! Franck! Libérez-moi! Allez! Je sais pas qui. Écoutez, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas revivre tout ça seul. Je n'y arrive plus. J'ai besoin de votre aide, d'accord? C'est ce que vous vouliez m'aider, non? Alors allez-y, faites-le et vous verrez. Tout ira bien. Tout ira bien. On fait ça ensemble, comme vous le disiez. Ensemble. Vous serez bien traité ici, je vous le promets. Vous avez déjà le meilleur fauteuil. Mes yeux. Détendez-vous. Prenez une grande inspiration. Sentez le poids de votre corps sur le fauteuil. There's no one like you.